C'est parti. Oh là, mais ça s'en va très doucement aujourd'hui. Donc les trois d'abord. Et Samuel Le Tuf. Samuel Le Tuf va gagner aujourd'hui. Allez, Patrick Cromlech. Patrick Cromlech. Voilà, okay. Combien allumé. Voilà les trois. Maman. Mon neveu Samuel Le Tuf était devant. Lucie. J'ai reconnu Anthony, tu as le 90. Oh, il remonte dans le vent, la bête. La bête, remonte pas trop longtemps. Avant le virage. Les trois dans leur troisième tour. La castagne. On arrive au caniveau. C'est une saloperie ce caniveau. Je vais faire une pétition tout seul comme quoi on devrait le modifier. Marc Delis est remonté en 3, nous avons donc les Delis père et fils. Marc, je le vois, il est là-bas, devant le gant rouge. Quelle jambe! Ouais, ça rince gentiment, hein. Ça y sort, ça détache. Ça va, le moral est bon.
3-4. Nous avons toujours une petite escouade devant. On va boucler le troisième tour. C'était une des filles qui était devant, ça. Ah. 6,4. On va attendre les 1. Voilà, ils sont déjà passés. Il y a des paquets partout, hein. J'ai un paquet assez important là-bas. Un deuxième paquet là, ça c'est les premières, voilà, ça c'est les premières qui tournent. Avec 3-4, troisième catégorie je pense. Mais il y a un gros paquet là-bas devant. Hein. Par contre je ne vois pas mes féminines, hein. J'espère qu'on va les rattraper. Enfin, j'espère que non, si je les rattrape pas tant mieux pour elles. Ça sera plus propre pour leur arrivée. Dire bonjour à Déborah. Ça crie comme s'il faisait du vent. On a un groupe là. Un groupe là. Ça, c'est les premières. Et la petite escouade. Donc, c'est très compliqué. Hein. Les premières, il n'y a pas de problème. L'échappée est devant nous, le peloton est derrière, mais je ne le vois pas. Un bidon par terre. Voilà, il est là. On va essayer de le récupérer tout à l'heure. Quand on aura personne, ah ben là on avait personne. J'aurais pu faire bondir mon accompagnatrice. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il y avait un paquet devant nous et que c'était les bonnets blancs des filles. Voilà. Les voilà. Ah ben ça va, c'est pas l'arrivée, elles ont encore un tour. Ah bah ça va, j'étais perdu dans mes tours, les filles ont encore un tour. On est revenu avec les premières de tout à l'heure. C'est
Jalot a dit 55 secondes. Je pense que c'est l'écart entre eux. Oh, c'est pas possible. Les premiers des trois et le peloton. Oh, il n'y avait pas tant que ça. Hein. Les trois. Avec Samuel Le Tuf devant. Déchaîné. Samuel Le Tuf. Patrick Romelin qui est là. Bagarre tout seul dans le vent. Personne derrière. Relève-toi, Sam, c'est trop là. Nous avons 12 hommes en tête. Comme ils roulent plus, ils ont peur, mais il n'y a vraiment personne derrière. Hein. Et que je te mets dans la bordure. On va prendre son derrière, tiens, il n'y aura plus qu'un bonhomme. Je suis un homme. Ah ben non, il y en a deux.
Ah là, on est à bloc, hein. Ça va saigner après, ça va saigner. Ah, je vois un groupe derrière. Il y a un groupe derrière, hein. Alors on va voir si Mont-Samuel Le Tuf va gagner. Pour l'instant il est 2. Un groupe qui revenait de derrière, mais là je ne les vois pas. Sur le virage, ça va être chaud. Enoch, Le Tuf, je suis coincé. Et voilà, Samuel Le Tuf a gagné. Mais je vous l'avais dit.